Le 29 septembre dernier, la fanfare céleste, constituée de pratiquants de Falun Gong venus de plus d'une dizaine de pays européens, a joué au pied de la tour Eiffel sur le Champ de Mars pour apporter aux passants la splendeur du Falun Tapa à travers la puissance de leur musique. Nous sommes ici sur le Champ de Mars au pied de la tour Eiffel. C'est aussi ici que les pratiquants du Falun Gong clarifient quotidiennement la vérité aux touristes chinois au sujet du Falun Gong. Aujourd'hui, les membres de la fanfare européenne se sont réunis ici, espérant, à travers la force de leur musique, montrer à davantage de touristes que Falun Tapa se transmet amplement hors de Chine. La banderole scintillante du Falun Tapa, mais aussi la puissance et le rythme de la musique de la fanfare ont fortement interpellé les groupes de touristes chinois. Nombreux parmi eux ont pris en photo ou en vidéo tout ce qu'ils ont vu afin de l'enregistrer et de le ramener en Chine. D'autres, en apprenant la persécution du Falun Gong en Chine après avoir lu le journal de clarification, ont été stupéfaits.就是没有想到海外还有这么多人，会带给你的亲朋好友在你海外看到的一些东西吗？会跟他们讲吗？会的，就是讲我现在见到的这一切，就真实的跟他们说吗？让你最觉得震惊的是什么？震惊的就是这上面说的火灾器官，然后政府。 就是共产党迫害他们。我感觉可能是国外这边这个信仰比较自由吧。那您觉得信仰自由好还是不好？这个肯定也好。对，这个每个人都有每个人的信仰嘛。Parmi les morceaux joués par la fanfare céleste, des compositions originales telles que Falun Tapa est bon, mais aussi des chansons sacrées et des musiques classiques comme l'Ode à la joie. En entendant la musique, beaucoup de touristes et de passants ont questionné sur comment apprendre le Falun Tapa. D'autres ont même directement appris sur place. Demain après-midi, la fanfare céleste ainsi que plus de 1000 autres pratiquants du Falun Gong se réuniront place de la Bourse à Paris pour un grand rassemblement et une grande parade. Reportage NTD TV, Paris, France.